Rebonsoir, je vais vous chanter La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. C'est parti, musica. Elle médite par son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Pour passer poussière, il y a toujours à faire. Repas en solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle est en sucette. Comme tous les endroits, on ne lit pas. Les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les mouvements se fanent, mais les ombres repartent. Tout va, tout fonctionne, sans maison pourquoi. Ni vieux en automne, ni fier, ni froid. Oh. Elle met du vieux pas son balcon pour attirer les moines, les pigeons. Elle vit à une pas procuration devant son poste de télévision. Elle apprend la presse à scandale, la vie des autres qui se tâle. Mais finalement pire en banal, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pas son balcon pour attirer les moines, les pigeons. Qui font la peau douce, mais ça fait bien loin que personne ne la touche. Des mois, des années sans personne à aimer, et jour après jour, l'oubli de l'amour. Ces rêves et désirs, ça j'ai possible, sans cris, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages, des photos banales, bilan sans mystère. D'années sans lumière, oh. Elle met du repas son balcon pour attirer les moines, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Elle apprend la presse à scandale, la vie des autres qui s'étale. Banale. Elle finira par trouver ça normal. Elle ne mine pas son balcon pour attirer les moines, les pigeons. Elle apprend après un scandale la vie d'un monde qui s'étale. Mais finalement pire en banale, elle finira par trouver ça normal. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moines, les pigeons. Merci.